Vous pouvez voir, avec le National Geographic, le roux sauvage dans son habitat naturel. Orange! Cet animal, très dangereux, va escalader un arbre pour aller chercher sa proie qui est juste la dignité des autres. Regardez sa technique. Le roux sauvage d'Amérique va se cacher pour éviter qu'il nous voie. Nathan! Regardez cet animal! Nathan! De toute beauté qui crie pour attirer les autres mâles alpha. Hey! Il fait son cri. Ah! Un autre roux sauvage vient de répondre à l'appel. Et la confrontation va s'en suivre. Et mais pour l'instant, le roux sauvage d'Amérique ne m'a pas vu. Et par chance, parce que je serais mort. Il essaie de monter, il regarde ses possibilités. Mais va-t-il mourir? Observons sa technique. L'enjeu est risqué. Il pourrait tomber et se casser les côtes. Mais vu que c'est un roux, c'est pas très grave. Par chance qu'il nous a pas vu, parce que sinon on serait déjà mort. Oh! Le roux est frustré de ne pas pouvoir monter plus haut. Il y a un autre roux sauvage là-bas qui essaie de monter dans l'arbre. Mais lui est plus impressionnant car il est réellement roux. Une espèce très rare qui est en voie de disparition. Et lorsqu'il entend ORANGE, il fait son cri. Son cri d'appâtage, comme nous disions chez le National Geographic. Et un autre roux là-bas se dandine dans un arbre. Et le roux risque de tomber. Si même ce n'est pas une bonne idée et qu'il risque de se faire mal, il va se faire son cri d'appâtage en entendant le mot orange. Orange! Et le roux se moque de tous ses adversaires car il est plus fort que les autres et plus haut que les autres. Ici le National Geographic et sur le documentaire sur les roux. Pa pa pa. Merde, il m'a vu. Ah!